Bonjour à tous, vous allez bien mes amis? Les tirages pour le signe de balance pour mois de mars général. Alors, j'ai tiré une carte conseil pour le mois de mars. Pour vous, ça sortait l'essence. Pour vous, c'est moi à la nouvelle essence. Pour vous, c'est nouvel départ, un changement. Égal quelle situation que vous trouvez, un grand changement, changement d'énergie, quelque chose ça va commencer. Peut-être si vous êtes dans des fils côté, quelque chose pour vous ça va commencer le mois de mars, c'est quelque chose pour vous, l'essence. L'essence peut-être à un nouvel travail ou un nouvel projet ou une nouvelle relation. Ouais, une nouvelle énergie ou peut-être la santé pour sentir mieux, quelque chose qui commence à libérer le passé, à l'essence peut-être retourner les communications, retourner peut-être une nouvelle énergie. On verra avec les cartes. Pour vous, c'est un changement complètement. Et beaucoup la sagesse aussi. Peut-être vous changez aussi les façons de voir la vie. Vous êtes commencé à changer comment communiquer avec les autres ou avec les proches. Et aussi les gens qui sont en vie, avancer dans la vie, commencer à penser à l'avenir, ils pensent les choses loin. Et aussi c'est quelqu'un qui vous êtes les balances, beaucoup l'expérience, beaucoup la richesse. Vous êtes sage, beaucoup sage. L'expérience que vous êtes cherché beaucoup, les choses que vous êtes commencé à voir plus clair. Alors, je tire les cartes, après on verra avec les cartes l'énergie générale pour le mois de mars. Je tire 9 cartes. Pour vous les balances, excusez-moi. Là, on va tourner les premiers. Besoin de partager votre savoir, peut-être dans le passé, vous êtes bloqué. Pour moi, c'est quelque chose qui vous libère les blocages. Pour moi, c'est une nouvelle essence pour vous, nouvel départ, commencement, nouvelle énergie. Dans le passé, vous êtes cherché beaucoup de temps pour libérer les gens qui sont restés enfermés eux-mêmes, qui sont restés dans cette énergie transformation. J'ai dit un changement. La nouvelle, c'est quelque chose de nouvelle essence, transformation, changement complètement. Les directions, le changement, les façons de voir la vie, changement énergétique. Pour vous, suivez les coraux, il y a une transformation. Vous êtes commencé à lâcher prise dans le passé, les blocages. Vous commencez l'harmonie, l'énergie. Alors dans le passé, peut-être vous n'êtes pas beaucoup partagé votre savoir ou partagé le temps avec les autres. Vous êtes peur des autres. Vous n'êtes pas confiance beaucoup les autres. Vous êtes trouvé dans cette énergie de peur, d'angoisse des autres. Ou la confiance, pas, ou soit vous pensez beaucoup à la... les projets ou un travail que vous êtes peur de perdre, un travail que vous êtes faire un mur contre vous et les autres. Vous êtes besoin de lâcher prise ce blocage et cette pensée de manque, les peurs ou l'angoisse, perdre peut-être le travail ou soit l'argent que vous êtes, peut-être quelqu'un qui a peur de perdre l'argent, perdre et pas beaucoup de confiance. Vous êtes commencé à libérer pour ça. Je vois un changement, une transformation, un changement de l'essence pour vous. Vous sortez, vous êtes prisonnier à vous-même. Ou soit prisonnier à une situation qui vous êtes resté beaucoup de temps, cette énergie.
Vous êtes besoin de patience, besoin de calme, besoin de méditation, besoin d'harmonie, votre pensée, l'harmonie énergétique, besoin de communication plus claire avec quelqu'un. Vous commencez à éveiller, vous voyez les choses plus claires. Il y a beaucoup de l'harmonie. Les 10, pour moi, les 1, ça commence un nouvel départ pour vous, une nouvelle énergie. Vous sortez cette, que vous sentez prisonnier, vous trouvez le temps pour reposer. Les 7, ça commence à bouger pour vous. Et là, le changement, c'est l'harmonie, l'éclairage dans votre cœur qui s'était nettoyé. Votre état d'esprit s'est commencé à nettoyer. Vous commencez à mieux, sentir mieux. C'est peut-être une relation ou une situation qui vous êtes beaucoup bloqué dans le passé, ou les peurs, ou l'angoisse, ou soit vous êtes perdu la confiance à les autres, ou confiance peut-être à un projet ou un travail. Vous retournez l'harmonie, vous commencez, prenez soin de votre santé, vous libérez la pensée négative ou les relations négatives, les peurs, l'angoisse. Les nouvelles, c'est le commencement, transformation, pour moi c'est comme ça. Transformation, les choses qui changent pour vous, l'énergie, vous êtes éveillé, vous sortez une énergie de feu. Voyez là, c'est une libération énergétique, un nouvel départ, vous sentez mieux, l'essence, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, vous voyez. Loin, peut-être il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de rêves réalisés, beaucoup les souhaits, vous souhaitez un changement, souhaitez une nouvelle naissance, suivez le Coran pour vous, l'énergie de cette mois, les béliers. On verra avec l'autre carte. L'autre carte, on voit plus clair chaque domaine pour vous, les balances. Vous êtes commencé clair, les balances. Alors, on voit votre état d'esprit. Trois cartes. Le côté l'argent professionnel. Trois cartes. Et sentimental. Énergétique, la santé. On commence à voir d'abord avec votre état d'esprit. Alors, si vous êtes pensez à, vous êtes, si vous êtes un masculin ou soit vous êtes un féminin, qu'elle pense beaucoup à un enfant, qu'elle pense à une jeune, qu'elle pense à une jeune adulte, ou qu'elle pense, si vous êtes un père, vous pensez à votre fils, ou soit un frère, ou soit quelqu'un proche, soit si vous êtes une femme qui pensez beaucoup à la. À votre famille, soit votre mari et votre enfant, un enfant adulte, soit le signe de l'air, vous êtes le signe de l'air, les balances, c'est le signe de l'air, soit quelqu'un qui est votre famille, ou soit un mari, ou soit un frère qui est proche de vous, quelqu'un à votre famille, qu'il a un signe de l'air, soit les jumeaux, soit les Verseaux. C'est quelqu'un qui est proche de vous, ou soit vous êtes quelque chose que vous pensez à une situation, peut-être ça va commencer mois de mai, juin, quelque chose avec un adulte, un jeune, un jeune garçon, et un homme adulte. Est-ce que vous voulez faire peut-être l'étude, ou soit chercher le travail, ou soit vous cherchez un emploi, peut-être c'est votre chef, si vous êtes un jeune, soit c'est votre fils qui cherche une place de protéissage. C'est quelque chose que vous pensez à ça. Peut-être il y a une réponse, peut-être mai, juin. Ou soit c'est quelque chose, vous êtes déjà commencé à mois de février, peut-être il y a une réponse pour commencer l'été, quelque chose, un nouvel travail ou un nouvel protégage ou un nouvel peut-être projet avec un homme, ou soit quelque chose avec un adulte. Alors côté large, doit tomber les masques, il y a quelque chose qui doit gérer,
quelque chose qui n'est pas clair pour vous, ou soit c'est vous êtes quelqu'un qui n'est pas clair dans votre tête, doit faire attention parce que vous êtes peut-être pensé beaucoup à les autres, peut-être vous êtes quelqu'un fidèle, mais faites attention, gérez bien votre argent, peut-être pour stabilité côté matériel, besoin protéger votre argent. Si vous êtes généreuse, vous êtes quelqu'un qui dépense beaucoup l'argent, elle doit faire attention avec ça. Si quelqu'un pour professionnel, ça sortir la femme, ça sortir une femme jeune. Soit une femme proche ou soit une femme qu'elle pense à un nouvel projet ou à un nouvel travail, qu'elle pense à un changement, qu'elle pense aussi à soit une femme qui veut un projet, un projet qu'elle commence à bientôt, à avril, ou soit un nouvel travail ou un nouvel contrat de travail avec quelqu'un signe de terre, soit taureau, soit Vierge ou soit les signes de Capricorne, peut-être quelqu'un qui vous êtes un chef ou un patron ou une personne qui vous aide, peut-être ce signe, ça va parler pour vous. Ou soit c'est quelque chose, ça va commencer avril, mois de mai. Et c'est une leçon pour vous sortir un problème ou un problème. Négatif, une nouvelle naissance, vous préparez quelque chose de nouveau, quelque chose, soit un travail nouveau, et ou soit une naissance. Pour ça sortit l'essence. Cette carte, ça parle l'essence. Pour moi, l'essence, un projet ou un travail qui vous pensez beaucoup, un nouvel projet ou un nouvel travail. Et c'est quelque chose, ça va commencer peut-être avril ou mai. Ou soit quelque chose, vous travaillez avec quelqu'un qui est le signe de terre. Soit un taureau, vierge, capricorne. Soit un chef ou soit une personne. Qu'elle va aider pour trouver un travail. Ou soit un projet, ou ça dépend de votre situation. Alors, côté sentimental, il y a beaucoup de gens qui pensent à l'engagement. Qu'elle pense les célibataires, peut-être déménager avec quelqu'un, engager avec quelqu'un. Peut-être pour une amélioration de situation dans votre relation, soit dans le couple, peut-être acheter une maison, déménager ensemble, soit un souci, un contrat, un nouvel logement, soit vraiment un contrat de mariage ou un contrat, une maison, vous achetez une maison avec une personne que vous êtes envie engager, ou soit vous êtes dans le couple déjà avec quelqu'un qui vous êtes voulu engager à une maison ou à vraiment un entre de l'argent, soit une stabilité matérielle avec quelqu'un. Côté santé, besoin d'un changement, il y a un changement. Pour moi, vous êtes beaucoup sacrifié. Côté la santé, doit faire attention, prenez le temps. Vous êtes sacrifié pour les autres. Si vous êtes quelqu'un et que vous êtes une jeune fille ou soit une personne proche de vous, et là, peut-être vous êtes sacrifié beaucoup pour votre les enfants. Peut-être vous êtes besoin de repos, besoin de calme, besoin de prendre soin de vous. Vous êtes peut-être pas bien, vous êtes fondé, vous êtes pas bien. Ou soit c'est une fille, peut-être dans votre famille, c'est une fille adulte, peut-être elle a un problème de santé, qui vous êtes beaucoup sacrifié pour aider cette fille, si elle a une difficulté de santé. Ou soit c'est vous êtes sacrifié beaucoup pour les enfants, les balances. Une carte pour les enfants. Pour général, une carte de tarot pour vous, le mois de mars, les balances. Les balances, l'amour, ça sortit la carte. Alors, la carte de l'as de couple, c'est beaucoup de l'amour que vous sentez pour vous et pour votre famille et pour votre couple. Vous partagez beaucoup la joie, beaucoup les bonheurs. Aussi, il y a les gens qui sont nouvel amour, engagement, déménager avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent les célibataires, quelqu'un nouveau. Dans le couple, il y a beaucoup de stabilité. La relation très solide, c'est quelqu'un qui déménage ou achète une maison ensemble, ou soit les célibataires vont rencontrer quelqu'un nouveau.
Et quelqu'un qui s'apporte cette relation jusqu'à le mariage, jusqu'à engager avec cette personne, peut-être vivre ensemble. Ça, c'est une carte de l'amour famille, ou l'amour les autres, ou l'amour de soi, ou l'amour partagé avec votre partenaire. Cette carte, ça parle l'amour. Je tire encore pour l'amour, pour la réponse angélique. On verra les célibataires, il y a un commencement pour vous. Vous commencez zéro. Un nouvel départ, une nouvelle énergie, un nouvel départ. Vous sentez bien-être, vous sentez l'énergie, la vitalité, vous sentez bien un nouvel amour, vous sentez heureuse, vous sentez la liberté, les gens qui sont séparés. Alors, les gens qui sont divorcés ou séparés, là, ça c'est pour les célibataires, ça c'est pour les divorcés ou séparés. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'amour à quelqu'un, qu'il veut l'engager. Peut-être il y a une personne qui vous êtes déjà séparés, il y a une demande, il y a une demande de mariage ou une union ou un engagement, ou soit acheter une maison à deux, ou soit louer une maison à deux, quelque chose pour construire un amour stable avec quelqu'un qui vous êtes déjà éloigné, ou soit vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui vient demander le mariage parce que vous êtes amoureuses les deux et qu'il commence à avoir les relations, il y a une stabilité pour moi. Les gens qui sont séparés, mais les gens qui sont seuls, il y a un nouvel amour pour vous. Alors les gens qui sont dans le couple, pour moi, je vois quelqu'un stable, matériel stable. Une nouvelle maison, un nouvel engagement, signer une maison à deux. C'est quelqu'un qui a les 10 du dernier. Vous êtes vraiment beaucoup la stabilité matérielle et stabilité dans le couple, que vous sentez bien avec votre femme ou votre mari. Vous êtes bien ensemble. Peut-être vous êtes déjà les enfants qui vous êtes. Marié, ou soit vous êtes déjà les enfants adultes, ou soit vous pensez beaucoup à les enfants, peut-être il y a quelque chose, la stabilité vraiment changée, peut-être les lieux, acheter une maison. Alors, les gens qui sont séparés, les gens qui sont célibataires, excusez-moi. Je ne sais pas. Ah. Les gens qui sont les gens célibataires qui sont incomprimés, il y a un nouvel amour pour vous, il y a une stabilité dans votre vie, vous trouvez l'équilibre avec une nouvelle relation. Avec une relation nouvelle, vous construisez une vie solide avec quelqu'un. Les deuxièmes, c'est quelqu'un qui sent beaucoup amoureuse, à un amour romantique, les gens qui sont séparés. Il y a quelqu'un qui déclare son amour pour vous. Il y a l'union, il y a l'engagement. Cet amour, c'est romantique. Beaucoup l'amour, beaucoup l'attirance, beaucoup vous sentez beaucoup les synchronicités, les télépathies. Vous êtes connecté avec cette personne. C'est comme une âme sœur. Vous sentez qu'est-ce qu'elle sent. Voyez, cette carte pour vous, c'est les deux. Ça parle les mêmes choses. Vous sentez déjà. Comme les personnes qu'elles pensent à vous, vous sentez déjà. Si vous êtes séparés, c'est provisoire, c'est temporaire, c'est l'amour, il est très fort. Encore sa sortie, la richesse, la sortie abondancia, sa sortie l'argent, sa sortie la richesse de l'amour et la stabilité dans le couple. Vous êtes bien, bien-être ensemble. Vous achetez une maison parce que vous êtes bien. Comme on dit, vous êtes en stabilité matérielle, vous achetez une maison à deux, vous trouvez stabilité familiale, vous êtes bien ensemble. Voilà le signe de balance. Pour ça, il y a une leçon pour vous, transformation, changement, changement de travail, changement, quelque chose de nouveau. Une nouvelle leçon, un projet à deux, ou peut-être un projet acheter une maison. Ou un projet, peut-être un mariage, l'union, les gens qui sont célibataires, qu'ils rencontrent l'amour solide dans le futur. Peut-être il y a un engagement, il y a un comprimé, il y a une stabilité dans cet amour. Vraiment, un amour
partager. Voilà les balances. Merci beaucoup. Si vous voulez mes vidéos, abonnez-vous, likez. Merci beaucoup. Au revoir.